Salut, c'est Sorvalis, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Animal Crossing New Horizons où il fait super moche chez moi et du coup c'est idéal pour partir à la pêche. Je me suis équipée de 7 cannes à pêche et surtout de 100 appâts. Donc, est-ce que je vais réussir à attraper des poissons rares? C'est l'objectif du jour. Alors bon, pour ça, on va aller sur le ponton. Voici mon ponton. Alors, on va commencer l'opération. Dans un magazine japonais, j'ai lu qu'il fallait pêcher pendant plus d'une demi-heure sur le ponton avant de pouvoir tomber sur un kajiki. Et je crois que la traduction française, c'est... Attends, il est tout petit ce poisson là, alors je vais peut-être le rendre plus grand. Oh. Attends, je vais déjà le pêcher pour pas trop gaspiller. Et donc oui, dans le magazine japonais, il mettait que c'est, je crois, en français, un marlin. Ou merlin. Marlin. Bon, on commence petit et j'espère qu'on va avoir super bien. Allez, on y croit. Alors, c'est une grosse ombre. Oh, mais pourquoi quand c'est gros, je loupe? Allez, go. J'ai trop de pression là, faut que je joue tranquille. Allez, l'ombre est grosse aussi. Oh! Un vivano. Pendant ce temps, Morgan est en train de lire son Shonen Jump, son weekly Shonen Jump du jour, vu qu'on est lundi au Japon. Oh là là, mais il faut que tu fasses une vidéo, Morgan, alors. Je te libère un slot si tu veux. De toute façon, ce que je vais essayer pour mes vidéos Animal Crossing maintenant, c'est de les mettre en temps réel pour ce qui est des let's play de la semaine, enfin des let's play du jour. Genre le premier du jour, mais après, genre une vidéo comme celle-ci qui est thématique, je la mets quand j'ai de la place. Vu que j'essaye de pas trop dépasser deux ou trois vidéos par jour. Puis c'est du boulot à monter. Hein. Allez, je vais jouer un peu en silence là, me concentrer. L'ombre, elle est énorme là. Oh. Allez. Là, la manette, elle tremble bien là. Oh, c'est quoi ce machin? Oh, il est effrayant. Oh oh. Tu as pris un colacanthe. Tu sais que ça se prononce colacanthe? Ah bah je savais pas justement. Oh, mais je savais même pas que ça existait. C'est même pas le poisson que je visais. Oh bah c'est trop cool. Oh. Ah bah c'est bien, j'ai même pas fini mon premier sachet de 10 que j'ai déjà trouvé un poisson que j'ai jamais eu. Pouh, c'est bien, comme ça c'est pas la vidéo de la loose, parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo en fait. La première fois j'y suis allée trop en confiance avec seulement entre guillemets, hein, 25 appâts. Et c'est long hein, de chercher des palourdes japonaises dans le sable. Et puis avec une seule canne à pêche aussi, enfin bon bref, du coup c'était trop la loose. Et j'étais dégoûtée, j'avais perdu un bon quart d'heure pour rien. Enfin, juste un quart d'heure de pêche. Et là, je me suis bien préparée. En plus, j'ai lu quelque part que par temps de pluie, c'était idéal pour attraper les poissons rares. Je trouvais pas que ça ressemble à une Pokéball. Oh, c'est rigolo ce poisson. Un Scarus. Scarus, Scaré, Scarum, comme c'était du latin. Ouais, qu'est-ce que je disais? Le bout là de la canne à pêche, comment on dit? Un hameçon? Ça ressemble à une Pokéball, je trouve. Oh, qu'est-ce qui se passe? Morgane, il y a la télé qui saute? Bon, alors c'est reparti. Mais je me demande si quand c'est tout petit comme ça, je devrais pas plutôt relancer jusqu'à ce que ce soit une grosse ombre. Voilà, bon, bah, là c'est bien. Ah, ça vibre beaucoup. Oh, je l'ai. Oh,
ma canne à pêche, ma première. Ah bah, oh, je suis contente. Eh, au bout de seulement 11 minutes de jeu. Ah bah, trop génial. Bah, du coup, je vais aller à l'embouchure de... Bah, c'est juste là, je pense. Qu'il y a éventuellement un autre poisson rare. Mais je suis trop contente, là, cette vidéo. Oh, j'ai eu le marlin exactement ce que je voulais, quoi. Oh, tu crois, Thomas? Moi, je m'attendais à ce que ce soit à nouveau une vidéo de la loose. Oh là là. Oh, là, c'est que du pur bonus. Bon, ok, je crois que j'ai assez pêché. On va se réexposer un petit peu le beau bébé, là, et ici, B. Tada! Ce que je vais faire, c'est que je vais l'apporter au musée. Puis aussi, comme je vous ai parlé des appâts, des fois que vous ne sauriez pas comment le faire, je vous montre parce que j'ai vu qu'ici, il y avait une palourde. Ah, voilà. Là, il y a eu un petit jet d'eau avec la pelle. Hop. Je creuse. Une palourde japonaise. Elle est bien trop légère pour disputer un combat de sumo. Pas besoin d'un autre ingrédient. On travaille. Voilà, c'est là. Appât. Palourde japonaise. Voilà, c'est tout. Voilà, on speed un peu. Et voilà. Donc, on va aller donner mes nouveaux poissons au musée. Ah là là, je le réveille encore une fois. Hein. Thibaut. Oh. Oh, oh. Alors aujourd'hui, j'ai des donations hein, pour toi. Donation exceptionnelle. Que veux-tu donner? Alors j'ai lui là, le premier, le ce, la, quand. Attends, on va peut-être faire un par un pour avoir l'histoire de chacun. Un seul acanthe magnifique. Je t'en prie. À la bonne heure. Le seul acanthe est une créature arpentant les abysses depuis l'époque des dinosaures. Oh, on l'a longtemps cru éteint, puis on a observé un spécimen vivant. Tu parles un choc. De la question qui me taraude, faut-il classer cette prise parmi les poissons ou les fossiles? Oh, le marlin bleu. Genre, j'hésite à le donner. Je crois qu'il vaut 10 000 à revendre. C'est un marlin bleu. Si tu veux, je me ferai un plaisir de t'édifier au sujet de ce splendide marlin bleu. Je t'en prie. À la bonne heure. Le marlin bleu, peu ordinaire cousin du thon, ah bon, se reconnaît grâce à son absence d'écailles et à sa forme angulaire. Oh, il peut afficher plus de 4 mètres à la toise et certains témoignages affirment en avoir vu affronter des baleines. Il n'est guère étonnant que ce soit la coqueluche des pêcheurs sportifs. Voilà un adversaire de qualité. Où est-ce qu'il a été exposé? Oh, il est là! Il est avec le banc de poissons. Wouah! Je le suis. Ah, mais limite, c'est le moment de prendre une photo, hein! Pah! Ok. Ah oui, mais du coup, je dois avoir plein de maïs qui se sont débloqués à force de pêcher. 5 poissons, bah j'ai pêché largement 5 poissons. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, il y a quelque chose là. Chaîne de miles. Voilà que gagner des miles rapporte des miles à présent. C'est une histoire sans fin. Ma foi, continue sur ta lancée, nous verrons bien où tout cela nous mène. Voilà, c'est trop bien. Attends, peut-être qu'on peut voir l'autre aussi. Puisqu'on sait pas où est-ce qu'il a été. Ah, mais il est là! Il est avec le gros penseur. Oh! Là, c'est la bande de ceux qui marchent au ralenti. Hein. Mes akulas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la vidéo qui, pour moi, a nécessité beaucoup, beaucoup de stress. Et je suis contente d'y être arrivée. Phew. Bon, j'essaierai d'attraper d'autres poissons rares hors caméra et on verra ce que ça donne aussi. Oh, on dirait qu'il me regarde, là. Il va vers moi. Oh, horreur. En vrai, si je le voyais en vrai, je serais terrorisée. Je m'en verrais. Hein. Je m'en irais. Oh, bah, je sais plus quoi dire, Morgane, pour finir, tellement je suis sur le cul. Là. Bravo! Carrément sur le cul. Mais oui! Mais en fait, je m'attendais à jouer une heure en vrai. Mmh. Et parce que la dernière fois, c'était long, j'avais pas réussi. Et puis bah, là, coup sur coup, c'était easy peasy, quoi, presque. Du coup, bah, je vais continuer de jouer tranquillou. Je pense que là, je peux largement aller rembourser ma pente. Et puis, bah, rendez-vous à l'épisode suivant. Bye bye!
qui se passe ? Morgane, il y a la télé qui saute. Oh, c'est quoi ? Code Airplay ? Je sais pas qui. C'est qui ? En plus, attends, c'est quoi ces caractères ? C'est quoi ? C'est un indien ou un je sais pas quoi ? Ok, tu déconnectes l'Apple TV, je suppose. Oh, interruption. Parce que moi, du coup, sur ma télé, il n'est plus affiché Animal Crossing. Il y a juste quoi ? Ok, c'est bon. On reprend. Bon, bah, ça sera pour le bêtisier. Hein. Oh, c'est tout pour me déconcentrer.